drink right now. Ça va, on a de l'eau, on a de l'eau. On va se calmer. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Nous sommes repartis pour la survie du week-end. On n'a plus d'eau. J'ai rien dit, on va crever, on n'a plus d'eau. Donc, nous allons... Alors, le coffre, il est là. Si je me déplace sur la gauche... Ok, on a la cabane, très bien. Nous allons faire de l'eau, tout simplement. Nous allons faire de l'eau. J'imagine que dehors il fait mauvais, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais. Le problème c'est qu'il fait encore nuit en fait. J'aurais bien voulu attendre le jour, juste au cas où. Juste au cas où si on peut... Genre faire du feu avec, avec la loupe. Mais il nous faut de l'eau, il nous faut absolument de l'eau. Waouh, il y a du gros vent. Donc il nous faut absolument de l'eau. Donc on a un faitout, on va l'utiliser, on va faire de l'eau. On va faire 2, 4 litres, 5 litres, 6 litres, un truc comme ça. On va en prendre 2. On va en prendre 2. Et on va partir à l'aventure de la grotte qu'on a trouvée qui est tout là-haut. Tout là-haut après la cascade. Donc ouais, c'est cette grotte-là. Donc là, il y a la cascade. Voilà, ça c'est le dessin de la cascade. Des fois, il faut un peu apprendre en fait ce qu'ils utilisent comme dessin pour signifier les endroits et les choses comme ça. Donc on va faire de l'eau. Je pense qu'on va faire du feu à l'intérieur. Je pense qu'on va faire du feu à l'intérieur. Bâton. Par contre, on a que du bois de récupération. Je suis en train de me dire, on n'a pas de... de bois, de chêne ou de trucs comme ça. Je viens de remarquer. Ok, il y a le brasero qui est là. Oh, c'est bon. On pourrait faire du feu. Alors, qu'est-ce... Attendez, il faut que je réfléchisse 2 secondes. Est-ce qu'on fait vraiment du feu maintenant? De toute façon, il nous faut de l'eau. On peut pas faire du feu à l'extérieur parce qu'il y a un vent incroyable. Ça nous fait encore utiliser des allumettes, c'est relou. On est un peu obligé. On est un peu obligé. Ça illumine rien du tout en plus, hein. C'est bien. Regardez-moi. Ah mon dieu. Vous voulez pas retravailler... Interland, s'il vous plaît. Vous voulez pas retravailler sur votre luminosité? Genre, je pense pas que ça soit... Mais c'est pas possible. Le coup du... Ça éclaire et après c'est noir. Après c'est l'absence de lumière. C'est pas que c'est sombre, c'est juste l'absence de lumière. Genre, les matériaux qui absorbent la lumière, non. Non, les maisons elles sont pas faites en matériaux qui absorbent la lumière. Donc c'est un peu embêtant. Bon, en tout cas, on est en train de faire de l'eau, très bien. On a récupéré un peu des steaks la dernière fois. Donc ce qui est cool, on a 3, 2 et 1. Ok, il faudra en faire peut-être... Ouais, je vois peut-être en faire. Alors le problème c'est que si on fait du feu... si on fait de l'eau maintenant, on est un tout petit peu bloqué ici. Parce qu'il faut faire quand même pas mal d'eau. Hein. On va pas faire un feu pour seulement 2 litres. Donc on va faire au moins 10 litres. Ça devrait aller assez vite. Parce qu'on utilise le faitout de toute façon. Je vais voir s'il n'y a pas du bois à récupérer. Mais ouais, faut quand même un peu utiliser le feu, quoi. C'est vrai qu'on a peut-être mal joué. Dans le sens où on aurait pu ne pas utiliser autant d'allumettes. Mais bon, on en a encore 10 de côté, je crois. On en a un peu moins d'une 20aine sur nous. Ça va. J'entendais du bruit. Oh, il y a un lapin.
Go. Ce des lapins, il nous en faut, on n'a pas de, de peau. C'est pas comme si on les tuait par plaisir, hein. On est obligé. Hein. On est obligé parce qu'il nous faut absolument des peaux de lapin pour les moufles et les... Il risque d'entorse. Ah oui, c'est vrai que les lapins, oui, c'est lourd. Hein. C'est à chaque fois 3 ou 4 kilos, je crois. Et c'est quoi, Chapka? Chapka. Oh, par contre, c'est relou ce, ce vent là. On va rentrer. Le vent s'est arrêté, je pense. Oui, donc ça c'est bien. C'est vrai que j'avais pas vraiment fait gaffe, ou alors j'en ai peut-être pas vu des lapins. Je me rappelle pas en avoir vu en fait. 42 minutes. Très bien. Ça va. Oh mon dieu. Minutes, tu vas tenir ou on appelle les pompiers? Hein? Va voir ça. Quoique. Glou, allez, hop, cul sec. Ah, très bien. C'est un peu pour voir combien on en a, parce qu'il y en a qui se mettent les uns sur les autres. Très bien. Au pire, le plus tard, ça sera... On partira à midi. Je pense. Oh non, pota, 23 minutes. Très bien. Je crois que le plus tard, ça sera midi. Oh, j'aime bien cette musique qui se joue, là. C'est la musique que j'utilise pour l'intro. Et après, je l'ai modifiée. Je l'ai modifié pour mon intro. Oui. Attendez, 36 minutes. 15 minutes. Allez. Donc, départ grotte. J'espère qu'on va passer un bon moment. On les réparera après. Parce que là, on va partir pendant un long moment, je pense. Hein. J'en sais rien, en fait. Le problème, c'est que je sais pas. Est-ce qu'on va être... est-ce qu'on va être perdu? Est-ce que... est-ce qu'on va trouver... est-ce que c'est un cul-de-sac? Est-ce que c'est long? J'en sais strictement rien, en fait. Donc, ouais. Peut-être pas. Oh,
peut-être qu'on mange, non? En tout cas, le temps a l'air d'être bien pourri. Donc, nous, on va être dans une grotte, on risque rien. Ça va être cool. On va être un peu plus relax niveau température. Genre, faire du thé, tout, genre bouillir le thé pour se réchauffer et tout ça. On n'a pas besoin de le faire, parce qu'on va être dans la grotte tout le temps. Donc, ça va. Ça, c'est cool. Ça va vite hein, quand même, hein, la nourriture. Hein. Quand vous vous rappelez à la quand on avait commencé notre survie, on mangeait... En fait, on s'affamait pendant toute la journée et on mangeait que quand on devait dormir. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, ça fait un petit moment maintenant. Et on pouvait faire des gros... comment dire... Des grosses réserves en fait de nourriture comme ça, dans un sens. Et après quand on a commencé à pouvoir chasser en fait facilement avec le avec l'arc et tout ça, y a quoi aussi comment ça s'appelle les carcasses? Comment ça s'appelle dépecer? Collecte sur carcasse. Et après quand on a eu collecte sur carcasse genre niveau 3, 4, etc. On a commencé à faire que manger en fait. Et après il y a eu ils ont rajouté ce bonus là. De bien nourri. On n'a pas beaucoup de bois. Il reste combien? 5 minutes. Okay. On va ressortir pour voir s'il n'y a pas... pour prendre du bois. Bon, ça fait 2, 4, 6, 8. Ça fait 8 litres de côté. On a quoi? On a plus rien sur nous par contre. On va encore faire 2 litres. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? C'est presque midi. Parce qu'il y avait une tempête, donc du coup maintenant il y a plein de petits bois partout. On peut le couper ça? Non, on peut pas le couper. Ça on peut normalement. 58 minutes. 53 minutes. Je pense que ce qu'on va faire. On va finir là ce qui bout. On va encore en mettre 2 litres. Et on va laisser le feu s'éteindre. Comme ça qu'on retournera. On rentrera à la maison. On aura. 2 litres encore qui a été fait. Ah, je pense que c'est pas mal. Non? Oui, c'est pas mal. Ah, 25 minutes. Faut qu'on voit combien de... C'est 2 heures. On va manger ça. Très bien. 40 minutes. On va dormir une heure. On devrait être bon. Ça a l'air pas mal. Là, on va pouvoir faire fondre la neige, mais ça va pas la faire bouillir. Je voudrais bien au moins faire bouillir l'eau, en fait. Comme ça, c'est fait. Genre, il me faudrait 3, 4, 3,
3, 4. 3, je dois. 3 petites brindilles. Honnêtement. Une quatrième qui traîne ou pas? Je crois qu'avec 3 brindilles, on est bon pour que ça fasse bouillir l'eau sans la détruire. Enfin, sans la faire évaporer. Sans la détruire. Sans la vaporiser. Non, non, ça devrait être bon là. Ok, allez, let's go. Ouais, je pense que c'est bon. On a des steaks là-haut, donc on va manger les steaks là-haut. On va les prendre sur la route. On a 25 massettes, on a de l'eau, ça va. On a ça pour faire de l'eau. Si jamais, on a la lampe. On a des allumettes. On prend pas la corde pour le moment. Ok, let's go. Il est midi, on y va. Alors on avait dit midi, on part. Hein. Midi, on part. Parce qu'il faut pas exagérer non plus. Faut qu'on... Ce qui est bien, c'est que pendant tous les épisodes, je pense pas qu'on ait fait du surplace. Je crois qu'à chaque fois... attendez, peut-être les... 9. Je vais en prendre encore. Hein. Genre pour en avoir 10. Je pense pas qu'on ait fait du surplace dans les épisodes. On a toujours avancé, découvert des choses, exploré, dessiné la carte aussi. Donc assez content, assez content. Après, est-ce qu'on a découvert des objets intéressants? Pas vraiment. On a découvert des lieux intéressants. On aurait pu faire du feu à l'extérieur. C'est pas grave. On a trouvé des lieux intéressants, comme ici par exemple, et après là-bas on a trouvé la deuxième entrée, le deuxième passage pour aller au Mont Timberwolf. Il y a toujours les loups là-bas, hein, faudra faire gaffe. Mais après on n'a pas trouvé d'objets rares, on n'a pas trouvé... de choses intéressantes, même genre des cordes et tout ça, on n'en a pas trouvé. Je suis en train de réfléchir. Vêtements non plus. Peut-être des vêtements usés à la limite, je crois qu'on avait trouvé. Je suis même pas sûr. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, non, rien. J'avoue que de ce côté-là, c'est un peu vide. J'avoue que de ce côté-là, c'est un tout petit peu vide. Très bien. C'est horrible de la voir faire ça avec les mains. Vous imaginez le froid et s'accrocher à des parois comme ça? Qu'est-ce que ça fait mal, c'est horrible. C'est une horreur. Bon, normalement, j'imagine que les... qu'il n'y a aucune meute de l'eau qui est venue ici, parce que bon, on en a tué 3, non 4 même, il n'y a pas longtemps. Donc j'imagine qu'on est tranquille encore. On a bien le sac hein, de couchage, ouais. Parce qu'en fait, ça me fait un peu peur, parce qu'on est à peine à 39 kilos. Mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup à manger, en fait, sur nous. Je crois que c'est surtout ça. Je suis en train de penser, il faudrait peut-être trouver aussi un bout de bois pour... pour faire un arc, non ?
Je suis en train de me dire. Bon, après, on peut retourner au. Au Mont Timberwolf. On a un arc là-bas et on a même des bois en fait pour faire des arcs. Donc, c'est pas très grave. Mais bon. Ce serait bien de pas devoir faire des allers-retours comme ça. Parce que. Enfin, pour vous, moi je vais les couper, mais moi j'ai pas vraiment envie de le faire. J'ai vraiment pas envie de le faire. J'ai envie de rester là. Vous savez que j'ai cassé un arc? Je l'ai en vidéo. J'ai tiré une flèche sur un ours. L'arc il a cassé. Après la première flèche, j'avais pas regardé, c'était un vieil arc au lac Mystère. Et du coup après je me suis caché en fait en pente dans sur un rocher en pente en fait. Et l'ours il pouvait pas m'attraper, il arrêtait pas de me gueuler dessus. Et j'ai attendu qu'il saigne en fait. Et qu'il meure du saignement. C'était assez comique à regarder. Et il est mort du saignement avec une seule flèche au bout d'un moment. Donc ça marche. Donc c'est vrai, ça c'est bien aussi. Le coup des flèches, le saignement sont accrus quand vous êtes au niveau. Mais ouais, c'est assez... Genre on tire l'arc, pium, ça casse. Alors hop, c'est parti. Exploration. Si on trouve du charbon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le... Oh mon dieu, il faut passer l'eau. Sans déconner. Ah oui, mais attends. Ça m'a éteint la lampe en fait. Putain, j'ai eu peur sur le coup. On est tout mouillé du coup. Ouais. Ah, ce qu'on aurait dû faire, c'est enlever les vêtements. Bon, c'est pas grave, il fait chaud. Mais ah oui, il y a un truc qu'on aurait dû faire, c'est vraiment, c'est complètement enlever les vêtements en fait. Et passer. Je savais pas que ça allait éteindre ma lampe, ça m'a fait peur sur le coup. Je me suis dit merde, on est tombé. C'est comme si, genre, on tombait dans la glace. Vous savez, l'écran il devient noir parce qu'on est dans l'eau. Je pensais vraiment pas que ça allait éteindre ma lampe. Ah, pas mal ça, pas mal, pas mal. Ouais, on aurait dû complètement enlever nos vêtements. Mais bon, normalement, si on reste là... 98, 97, 96... À la limite, faudrait faire un feu à l'intérieur. Pour qu'on se sèche. Mal à avancer. Hein. En plus, je crois qu'on est plus lourd. On est à 44 kilos parce qu'on est mouillé. J'ai vraiment du mal à monter. Les vêtements. Oui, non, ça sèche petit à petit. Ça sert. Ah non, on a une corde. Je crois qu'il faut prendre la corde. Je crois qu'on est obligé de prendre la corde. Bon, elle est petite.
Attendez. Elle est petite. Ah, ça m'embête. C'est vrai que ça a été con de... J'aurais dû y penser avant de... De passer l'eau. Enfin bon, bref, on s'est fait, c'est fait maintenant, on s'en fout. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on fait un feu maintenant? Ou pas? Pour se réchauffer, parce qu'on a une carcasse à côté. Du coup, on va pouvoir... Je vais voir où elle est. Combien? On a 1 kilo. On pourrait faire un feu juste à côté. Je crois qu'on a assez de bordel pour faire un feu. J'aime pas allumer la lampe là qui parce qu'elle met du temps en fait. Elle se met... Enfin, elle fait des éclairs. Et vous imaginez, vous avez un truc en plein devant votre gueule qui vous fonce dessus. On va le faire. Pourquoi? Parce que du coup, ça va me permettre de me vider un peu les poches aussi. Se faire du feu comme ça en grotte, on le fait jamais. Donc là, ça va me permettre d'utiliser le charbon qu'on a trouvé, les trucs. Et surtout me... Come on, little fire. Me réchauffer. Alors, je sais pas s'il y a un meilleur moyen. Est-ce que... Je crois que c'est d'enlever les vêtements et de les mettre à côté du feu. Je crois que ça va, ça sèche plus vite. Genre, on peut tester. On va voir. On est déjà à 67%. Fais voir un peu le reste. Ouais, 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 c'est quand même mieux. Ça fait des super habits hein, comme ça, hein, qui sont par terre. Vous imaginez, vous trouvez ça? Vous êtes heureux, hein? Vous êtes méga heureux. On fera, ça sera le thumbnail, la miniature, je pense. C'est joli comme ça. Alors attendez, 22 minutes. Oh, cette musique. On tape un peu sur le système en fait. Elle tape un tout petit peu sur le système, cette musique. Voilà, encore un peu. On pourrait même dormir une petite heure, honnêtement. Le problème, c'est qu'il va faire nuit en fait. Pff, ouais, on pourrait dormir une petite heure, honnêtement. On a quoi encore? 2 heures? Oui, autant être en pleine forme, puis après on va explorer. Bon, on va explorer la nuit. Bon, bah ouais, c'est pas grave, ça arrive. Ah, très bien. Alors, faut voir un peu. On a 2 kilos de trop.
On va pas laisser la lampe ici. On peut laisser ça par contre. Alors déjà, trouve la corde, voilà, c'est bien. On est à 40. Parfait. Par contre, là, de rien voir comme ça, c'est un peu la galère. Bouge pas, tombe pas. Ok, on est bon. Ah, ça fait un peu peur. Pourquoi il me donnerait des... Pourquoi il me donnerait des fusées nautiques? Hein? Pourquoi il me donnerait des fusées nautiques, hein? On peut m'expliquer? Il y a un mec qui s'est fait chier à faire un camp ici. Ah, c'est vrai qu'il a une belle vue. C'est bon, on y est. Ouf. Ah, du coup, il fait nuit. Du coup... Ah non, peut-être pas. Ah, putain. On va laisser la lampe ici. Si elle est trop lourde, on n'a pas vraiment besoin. Oh la vache. Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle était passée à travers le décor. Le truc c'est que... On peut pas dessiner parce qu'il fait brouillard encore. On a l'air d'être en hauteur en plus. Oh la vache, ok. Oh, on est méga haut. Oh, je crois qu'on est... Oh, on est à la hauteur des ponts. Bon, il fait pas très froid, ça c'est bien. Ah non, je voudrais tellement dessiner. Ah, j'ai envie de dormir maintenant en fait. Mais là on a un bon temps, enfin il fait pas froid. Vous croyez qu'il y a des loups à cette hauteur? Genre sur les côtés et tout ça? M'étonnerait. Il y a un passage. Oh mon dieu. Pff, ok. Bon, il y a deux passages. Donc, il y avait le pont et il y a le côté. Faut se rappeler de ça. Ça mène où, là? On va le laisser. Il n'y a rien écrit dessus. Où est-ce qu'on va?
Oh, il y a quelque chose. C'est un ours. Là, je vois des os, là. Ouais. Ah, merde. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Où est-ce qu'on pourrait... Ça peut être pas mal là, non? Ça peut être pas mal. Il fait du bruit celui-là. On dirait qu'il est à côté de nous. Là, il va pas pouvoir monter. Il va devoir faire tout le tour. J'ai envie de même de descendre et d'aller là, sur le côté. C'est un peu dur de juger la distance, en fait. Il est très très fort, en fait, son bruit. On va se le faire, hein, parce que là, il doit garder quelque chose. Là, c'est pas possible. En plus, on n'a pas froid. Je le vois pas. Faut absolument le tuer. Hein. Faut pas lui faire peur, rien du tout. Il faut le tuer, lui. Pas envie d'avoir froid. Allez, saloperie, là, viens ici. Avec le son, là, qui est fort par rapport à lui. Je sais pas s'il est en train de monter. Est-ce qu'il fait du surplace? Est-ce qu'il est juste à côté? J'arrive pas à voir. Là, on devrait le voir, là, non? Ou alors peut-être qu'il est très proche du caillou, donc il sera là. Je sais pas. C'est quoi, ça? Un coffre, ça? Non. Bon, elle va commencer à avoir froid, donc... Ah, oh, il est en train de dormir, ce con. Du coup, on peut passer à côté. Regardez, il dort. Moi, je préférais qu'il dorme, qu'on le tue quand même. J'ai pas envie de passer à côté. Attendez, si on lui tire des flèches, on court. On fait ça. Ok, faut passer comme ça. Et comme ça. Putain, ouais, non, c'est super chaud quand même. I can't feel my hands. Ah, je sais. Ah, yes. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, c'est parfait. Oh, comment je suis trop bon. Comment je suis trop bon. On m'appelle Spider-Man. Voilà, maintenant tu dormiras bien. Parfait.
Ah, oh, je m'épate moi-même des fois. Je m'épate. En plus, il fait chaud. Enfin, je... Cette partie-là, avant, s'il faisait chaud. Attends, là tu montes, là tu descends. Ouais, c'est le même. Si les deux allaient dans le même sens, ça c'était un problème par contre. Mais vu qu'il y a un qui monte, un qui descend, c'est le même. Donc du coup, on a récupéré pas mal de viande là. C'est un peu un problème là de rien voir. On va commencer à avoir froid, donc on va devoir dormir. On en profite parce qu'on est en pleine... Il y a un panneau là. On est assez en pleine forme, donc on en profite. Vous avez vu ça un peu? Dans la tête, deux flèches dans la tête, et hop, on n'en parle plus. C'est énorme. J'entends des corbeaux. Ah merde. Wait. I'm so cold. I'm warming up a bit. C'est quoi ça? Un cerf, ok. Bon, ça devient trop dangereux, là. Ça devient trop ouvert, en fait. Ça devient vraiment trop ouvert, je vois rien. Je vois strictement rien. On va remonter, on va dormir. En tout cas, je suis content. C'est bien passé pour l'ours. Il y avait un endroit où il faisait chaud. C'est ici. -12 degrés. On peut même... Ah, genre on peut le dépecer tranquillement. Sans problème ici. C'est énorme. C'est juste énorme en fait. C'est cool. C'est parfait. En plus, elle sèche là. C'est comme si on était en intérieur en fait. C'est top. 2 heures, non. On va laisser passer un peu de temps. I'm not sure I can carry much more. Et on va dormir, on va déjà poser le sac de couchage. Très bien. Et ben, je pensais pas que ça allait se passer comme ça en fait. Vous voyez que quand on a un peu la technique, faire attention et tout ça, ça se passe bien. On va encore couper. Là, on peut faire encore que 2-4 steaks peut-être. Ah, très bien. Donc c'est bien nouveau. Il faudra que je regarde la mise à jour. Parce que... Enfin j'ai lu la mise à jour mais... J'ai pas vu qui parlait du fait que les animaux, en fait, vont dormir. J'imagine qu'ils se sont dit, on va faire des sortes de tunnels, en fait. Avec, genre, un ours et tout ça. Et les gens seront obligés ou d'attendre qu'ils dorment, ou alors de le combattre. Je pense qu'ils ont dû faire exprès. Donc, ils ont... Enfin, ils se sont dit, si on met un animal, genre, comme un ours ou un élan et tout ça, ça va être compliqué pour passer.
Si c'est des tunnels, parce qu'on peut pas vraiment se protéger. Enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est limite de l'illégal. Mais du coup, ils ont dû sûrement rajouter cette animation de dormir. Que ça m'étonnerait que je l'ai jamais vu quand même. Là, on est tranquille. Très bien. Il fait encore. Encore nuit, on va boire. On va peut-être prendre un ou deux stacks sur nous. Et quand on aura un endroit tranquille pour faire du feu, on les fera cuire. Je pense que ouais, on va prendre deux stacks sur nous. Ça, on va le laisser là. Alors, par contre, on va d'abord revenir à l'entrée pour aller dessiner l'entrée. On va dessiner petit à petit. Il fait très froid. Ah oui, il fait très froid. Alors, on va aller dessiner déjà l'entrée. Ça c'est bien, niveau stratégie, gameplay, tout ça, c'est vraiment bien le fait que les ours peuvent dormir. Je trouve ça très très intéressant d'avoir fait ça. Vous croyez que la grotte que j'ai sur la carte là... Non. Je passe à la hauteur. Oh, so cold. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on est haut. Voilà, très bien. Je sais qu'on a perdu de la vie, mais... On va aller dormir à côté de la carcasse de l'ours. Donc il y a un chemin là, on va pas le prendre pour le moment. On va continuer de descendre parce que il y a l'air d'avoir des constructions humaines en fait. Donc peut-être qu'il y a un village abandonné, un truc, genre des, je sais pas, des bungalows, des trucs. Juste pour récupérer un peu la vie qu'on a perdue en dessinant. C'est parti. Ok, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux niveau visibilité. Alors...
Ok, grand, je dirais. Ça a l'air pas mal. Il y a des maisons. C'est méga grand, dis-moi. Ok, très bien. Ok, on va se... What? Qui c'est qui a fait ça? Il y a un deuxième joueur. Tintintin. Il y a un deuxième joueur. Eh ben, il est là. D'accord, j'arrive pas à le... Ok, cool. J'arrive pas... Interland, vous êtes sérieux là? Je peux pas le... Y'a pas, y'a rien, on peut pas. Bon par contre il fait chaud, c'est bien. C'est un établi ça? Un établi pour faire quoi? Bon, c'est un établi normal. Établi à munitions. Ouais non, c'est un établi normal, juste en bois. D'accord. Oh, on peut vivre ici? Je passe à travers le décor. On peut vivre ici? Genre il fait chaud? Pourquoi t'es mort alors? Intéressant. On va mettre tout le bois dans la réserve à bois. Tout le bois des alentours. Ok. Ah, c'est une maison. C'est une maison. Alors ça c'est bon signe parce que ça voudrait dire peut-être qu'on est proche de la mine. Cabane. On est peut-être proche d'une mine parce que s'il y a des gens qui vivaient ici... Ça veut... Hein? C'est peut-être possible. L'accélérant, on s'en fout. On s'en fout complètement de l'accélérant. Si c'était du fuel, en tout cas, pour la lampe, à la limite, oui. Mais non, ça, on s'en fout. On est au niveau 5, déjà. Alors, page de registre de mine. Parfait. C'est vraiment de l'or. Il y a des quantités pas croyables. Il y en a des quantités pas... Excusez-moi, j'ai eu un retour. C'est vraiment de l'or, il y en a des quantités pas croyables. Jesse veut aller... Ou alors Jess, Jess plutôt. Quoique non, Jess ce serait sans... Bon, Jesse, bref, veut aller encore plus loin. Mais on attend que le contre-maître nous donne le feu vert. Le filon qu'on a trouvé a l'air de ne pas avoir de fin. Il faut juste qu'on fasse attention. Ok, donc on s'approche de la mine. C'est très 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 bon. On commence à s'approcher de la mine. Bah, vous rappelez, j'ai dit qu'on trouverait jamais de casier peut-être ici. Bah en fait si. Ok, c'est super super bon signe. Là je suis content. Là par contre ça me donne envie de continuer. Très très bien. Oh, il y a un haut. C'est juste des livres. Pantalon de combat. Pantalon de combat, on s'en fout, je crois. Il est en très bonne qualité, en plus. Enfin, 60%, c'est bien. Donc, on a une cabane. On peut vivre ici. On a une cabane et un établi. Ça peut être notre deuxième repère. Et après, en plus, pour y aller, c'est pas extrêmement dur, parce qu'on doit passer on doit passer une grotte, donc c'est pas... Pas très dangereux, c'est safe. Il n'y a que le l'ours en fait. Qui peut être un problème. Il n'y a vraiment que l'ours qui peut être un problème. Mais là on va rester là hein, pour le moment. De toute façon on peut faire on peut faire du feu. On peut même faire du feu à l'extérieur. On aura chaud, on sera protégé du vent.
Donc aucun problème de du mal de l'enfermement. Il y a une maison là-haut. Genre on peut faire du feu là. Trop de vent pour faire du feu ici. C'est un bug ou quoi? Je veux pas dire, mais il n'y a pas de vent. On est protégé. Ok, c'est un bug alors. Enfin, c'est pas un bug. Enfin, si à la limite j'ai envie de dire c'est un bug. Le jeu, on nous interdit de faire du vent ici, mais on est protégé. Parce que vous voyez, il fait chaud en bas à gauche. Il fait chaud et on a le bouclier contre le vent. Donc en théorie, on peut, mais... Par contre, ça fait peur de pouvoir voir comme ça à travers. Mais ouais, le jeu veut pas qu'on fasse du feu ici. Par contre, moi, ça me... Bizarre, là, le cadavre qu'on peut pas toucher. Je suis pas allé de l'autre côté de l'établi, y'a pas quelque chose. Non. Donc on pourrait faire du feu à l'extérieur, là, par exemple. Et comme ça, on est tranquille. Genre... Ouais, non, c'est vraiment top. On va aller à la maison, là-haut. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est la mine. Parce que là, je pense qu'on se rapproche. Là, je pense complètement qu'on se rapproche de la mine, en fait. Donc là, ça devient intéressant. Ça doit être une maison assez de luxe, comme ça. Genre les maisons dans les petits villages qui sont un peu retirés du monde. C'est souvent genre les mairies ou les maires de la ville. Les gens importants. Donc peut-être qu'on va trouver des choses intéressantes à l'intérieur. Genre peut-être le chef du village, un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Non, déjà on a trouvé 3 bois. Après, il faudra un peu comprendre de quel côté on est. Retraite du contremaître. Ah, ok, c'est le contremaître. Je voulais le dire en plus. Peut-être le contremaître. Je voulais le dire. T'as, j'aurais dû le dire, merde. Je voulais absolument le dire. Peut-être le contremaître. Parce que ça parlait du contremaître dans les. Dans le message. Bon, peut-être qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Mais on n'a pas d'indice sur où se trouve la mine, mais apparemment la mine est très très importante et tout ça. Donc ça c'est bien. Mais on sait pas vraiment dans quel sens elle est. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est quoi ça? On sait rien. Voilà. On a du tissu. Ouais, on a des chaussures. Encore du tissu, rideau, du bois. Ce serait bien des allumettes, honnêtement. Ouh, bien, bien, bien. Ouais, je dirais pas non pour des allumettes, mais pas de chance. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette zone? Je crois qu'elle a un très très bon équilibre, en fait. Sur bâtiments, recherche, découverte et tout ça. Franchement, c'est pas mal. Parce qu'en plus, on a des... Ce qui est bien, c'est qu'ils font le système des papiers que vous pouvez trouver et tout ça, avec des histoires et tout. Donc par exemple, là, le coup de... On est à la recherche de la mine, en fait. Et on trouve des... On trouve de plus en plus de papiers. Enfin, ça fait le deuxième papier. Qui nous dit que la mine est très très intéressante et tout ça. Apparemment, ils auraient un filon d'or infini. Enfin, façon de parler. Et nous, on doit trouver des objets uniques là-bas dans la mine. Donc, j'avoue que, voilà, vous voyez que, genre, côté lore, côté gameplay, en fait, tout est bien, très très bien balancé, je trouve. Donc, ça, j'apprécie énormément. J'apprécie énormément.
Bon bah du coup, il n'y a pas de message, rien. On n'a rien trouvé de très spécial. Bon, le fait tout, oui, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. On a du tissu. Donc on va devoir prendre tout le tissu. On va devoir prendre tout le tissu. Parce que c'est vrai que le tissu, on n'en a pas. Et ça va nous permettre de pouvoir raccommoder tout ce qu'on a. Parce que c'est vrai que... on n'a rien vraiment raccommodé depuis qu'on est arrivé. Yes. Fabrique du mineur. Peut-être que la mine elle est par là, peut-être. Il y a l'air d'avoir un passage là. J'ai envie de retourner voir l'ours moi pour aller récupérer de la nourriture. C'est un passage ou c'est juste... oh. C'est quoi ça? Ça c'est un lit ça. Faire attention de ne pas tomber. Regardez-moi ça, comment c'est grand, c'est loin. Pff, on va rester des heures et des heures ici. En fait. Enfin, des jours et des jours plutôt. Ah, il fait chaud ici. Ouais, elle ralentit en plus. Il fait chaud. Bon, on va s'arrêter là, parce que ça va faire un peu plus d'une heure même. Donc on a trouvé tout ce qui nous manquait. On a un ours là-haut, donc on pourrait faire un aller-retour. On a même des cerfs en fait sur le chemin. Donc si vraiment on veut de la nourriture, on peut voir les cerfs. Sinon, on peut aller, comme j'ai dit, récupérer l'ours. Ça serait peut-être une bonne idée. Ici, on a des bois. Donc, on peut faire encore des flèches. On n'a toujours pas trouvé de bois pour un arc. Ça serait bien aussi d'en trouver au moins un. Voilà, donc ça sèche. On a une maison, on a un lieu qui a l'air plutôt safe. On a du tissu. On a trouvé un faitout. On a trouvé de la nourriture. On se rapproche un peu de la mine aussi. On a remarqué qu'on se rapprochait de la mine. Vu ce que disaient les messages. Attendez. Comme ça, elle l'ouvre à la main. Je sais pas comment elle fait, mais elle se débrouille. Ouais, non, on est très très bien. On est honnêtement très 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 bien. Il faut juste qu'on se rapproche de la mine, on sait pas où elle est pour le moment. Faut juste qu'on la trouve et hop. Faut juste qu'on la trouve. Je crois que je vais dormir une ou deux heures, mais je vais mettre fin à l'épisode. Par contre, le prochain épisode, on va sûrement un peu camper. Honnêtement. Ça serait... donc là, c'est notre camp. Ouais, c'est pas très compliqué, en fait, pour y aller. Si jamais on pouvait mettre une corde... là, il y a un pont. On pourrait prendre le pont et voir où ça mène. Ça serait vraiment bien de pouvoir avoir une corde directement, de descendre l'un à l'autre. C'est bizarre qu'on l'ait pas vu, la cabane, pendant qu'on était là. Peut-être qu'en contrebas, les rochers, ils bloquent la vue. Peut-être qu'on la voit pas.
Mais c'est bien. Là, c'est l'ours. Par contre, ça se dessine mal hein, quand on est là. Hein. Ça se dessine très mal, hein, le contour, en fait. J'ai l'impression qu'à une certaine hauteur, en fait, ça se dessine pas. Parce que là, ça devrait se dessiner, en fait, le côté de la montagne. Enfin, le flanc de la montagne où on était dessus. Ça ne veut pas se dessiner. Donc, nous, on a fait ça. Donc, on est descendu. On aurait pu prendre un pont. Un pont qui est où, du coup? Il devrait être là, non? Genre ça. Je crois que c'est ça. Donc, après, on pourrait voir aussi ce qu'il y a là. Sur ces zones. Ouais, on pourrait voir. Ah, là, il y a aussi un pont. Ouais, peut-être qu'on peut passer comme ça. Et aller sur ce côté-là, en fait. Ouais, intéressant, intéressant. Ouais. Je sais pas où aller la mine. J'imagine que si les mineurs travaillent ici, j'imagine que la mine n'est pas extrêmement loin. Le contre-maître, il est là. Les mineurs, ils sont là. Je dirais que la mine, elle est peut-être là. Ou alors, faut peut-être un peu descendre. Mais j'imagine qu'elle n'est pas extrêmement, extrêmement loin. Sinon, ça serait un peu étrange. On va juste déposer la viande à l'extérieur. Faut qu'on fasse cuire. Ouais, faut qu'on fasse cuire et faut qu'on fasse de l'eau. Et après, on sera bon. Ça va être notre camp. On se mettra là. Pour faire du feu à l'extérieur. Comme ça, on est tranquille. On fera un feu là. Là, il est protégé du vent. J'ai envie de jeter un coup d'œil. Mais... Non, non, c'est bon. On va s'arrêter là. Comme j'ai dit, je vais dormir 2-3 heures. Et le prochain épisode, on va faire... Alors, le prochain épisode, on risque de passer un petit moment, en fait, dans cette zone-là. On va récupérer du bois et tout ça. On va peut-être aller récupérer à manger, parce que c'est vrai qu'on n'a pas à manger. On va... Il y a un chemin, là. Peut-être que la mine, elle est là-bas. On va récupérer bois, nourriture, eau. On va récupérer de l'eau. Et après, on va... Et après, on va partir à la recherche de la mine, de cette sacrée mine. Ça aurait été bien de trouver une carte, en fait, qui nous montre la mine. Ça serait cool. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Honnêtement, je suis très très fan de cette zone. Elle est très très bien ficelée. Elle est très très bien ficelée. Et puis en plus, elle nous donne un but. Et les cartes, les pages qu'on trouve, elles sont très très intéressantes à chaque fois. Ils nous disent, ouais, il y a des trucs énormes dans cette mine et tout, donc faut la trouver. Faut absolument la trouver. C'est vraiment vraiment sympa. Et on a fait pas mal de la map aussi. Et on commence un peu à connaître le système, en fait. Il y a le côté bas, le côté haut, donc maintenant on sait comment monter. On peut y aller de là. Après, si jamais on veut revenir à notre cabane, bon... C'est un peu long, mais c'est pas très très embêtant. On va dire que, ouais, il faut passer la grotte. Et la grotte, il y a... ça manque de lumière. C'est vraiment que ça le problème, à la limite. Mais c'est tout. Voilà, on va dormir 3 heures et on continuera après. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.